Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette classe de maths sur Zoom de l'OCEQ. Ce soir, nous recevons Thomas Rinfret, que je tiens à remercier d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également toutes et tous qui êtes présents à la fois sur Zoom et sur la page de diffusion en direct YouTube. Je rappelle que les personnes présentes sur YouTube peuvent interagir avec nous grâce au chat qui est affiché sur votre page YouTube. Je vous invite à poser vos questions et on va les relayer avec grand plaisir à notre invité ici présent. Je remercie également Spira qui nous a permis d'offrir aux étudiantes et aux étudiants du cours de ce soir le visionnement du film Les Derniers Vilains. Je rappelle que l'événement est capté, est enregistré, il sera diffusé également ultérieurement sur le canal YouTube de l'OCEQ. Cet événement est présenté dans le cadre du cours de cinéma et télévision enseigné par mon collègue Thomas Carrier-Lafleur, ici présent. Thomas est également le co-animateur ce soir en ma compagnie. Alors, notre invité, Thomas Rinfret, est un ancien athlète amateur en ski alpin ainsi qu'un skieur extrême professionnel retraité. En 2008, suite à ce retrait du milieu du sport professionnel, Thomas complète une formation au sein du programme documentaire de l'INIS. Cette formation, complémentée par son talent de raconteur et sa créativité, lui ouvre en quelque sorte les grandes portes du milieu de la production audiovisuelle au Québec. C'est alors qu'il réalise plusieurs séries télé, dont notamment en 2016, au même moment, où il tourne déjà Les Derniers Vilains, le documentaire Ma foi. Ce documentaire, qui fait partie de la série Faut en parler, a été en nomination, entre autres, pour 3 prix Gémeaux. En 2019, il porte à l'écran Les Derniers Vilains, son premier long métrage documentaire, que nous voyons ici, une photo de plateau, en pleine réalisation. Et cette fois-ci, gagne 3 prix Gémeaux, dont meilleure direction photo, meilleure réalisation et meilleur documentaire. Nous sommes en présence aujourd'hui d'un raconteur curieux, d'un passionné qui a le goût de l'aventure et qui aime transmettre de l'énergie qui alimente son bonheur. À l'image de ses prouesses physiques qui ont fait sourire les amateurs de sport extrême, Thomas nous offre dans son long métrage un documentaire stimulant, touchant et humoristique. Son plaisir intense pour la vie et son amour pour l'homme s'en dégagent tout naturellement. Thomas semble ici nous montrer une caractéristique supplémentaire requise chez tout bon cinéaste. Pas juste faire des prouesses comme on le voit ici, et comme on le verra, toute bonne prouesse se termine. Il a une caractéristique supplémentaire qui est très importante chez tout bon cinéaste, c'est-à-dire lors de l'écoute. Grâce à elle, il porte à l'écran un film sensible, rempli d'empathie. En appui aux histoires racontées et qu'il a d'abord écoutées, dans un monde où le faux et le vrai se conforment perpétuellement, je parle de celui de la lutte, bien sûr. Thomas a su injecter sa part de vrai avec l'insertion d'images d'archives judicieusement choisies. Il nous a également offert une bande sonore divertissante qui accentue admirablement les traits du personnage. Je te remercie pour ton film, Thomas, qui nous a fait sourire même dans les pires drames et qui nous rappelle la beauté que peut avoir la vie malgré ses rebondissements et que la bonhomie est peut-être garante d'une vie longue et heureuse. Alors, je vais officiellement amorcer le dialogue. Mais je me permets du même coup de lancer la première question, ou peut-être plutôt un constat. Tu as pris 5 années pour réaliser ce film. C'est tout à ton honneur d'avoir fait cela à ce rythme, dans un contexte précaire, du moins à 2 niveaux. D'abord, la santé de Paul de Boutcheux-Vachon, et ensuite, les conditions de production de plus en plus précaires, dont un rapport fraîchement publié par la ARQ et l'École des médias de l'UQAM en font témoin. Je te dis bravo et j'aimerais que tu commentes sur cette idée de la durée qui est omniprésente dans le film, tant dans sa conception, sa production et son sujet même. Bon, voilà, j'ouvre la parole. D'abord, merci pour cette magnifique introduction. C'était inattendu. Merci. Puis bonjour à tous. Sautons directement dans le vif du sujet. La durée, on pourrait se... on me posait souvent la question, pourquoi 5 ans faire un film, un documentaire? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible d'en vivre? Et la réponse est non, ce n'est pas possible d'en vivre. Pas sur 5 ans comme ça. Mais ceci dit, ça reste que c'est un choix qui était en fait très, très réfléchi parce que quand on tente de gravir un peu les échelons, si je peux dire, du monde du cinéma, c'est-à-dire que
Moi, j'ai commencé avec des films de ski, comme on a vu. Après ça a été des émissions de télévision, des documentaires, des séries documentaires. Puis là, j'arrive au documentaire long. Fait que moi, j'ai toujours approché ça comme un peu étape par étape. Puis chaque étape, ben, j'ai toujours pensé qu'il fallait que j'y mette tout mon cœur pour arriver au résultat que je voulais. Donc, il y a un peu de ça. Donc, je ne calculais pas mon temps, mais le film demandait ce temps-là. Donc, Paul Vachon, quand on l'a rencontré au tout début, on pensait qu'il allait mourir dans les semaines suivantes. C'était les informations qu'on avait. Donc, on a fait une entrevue d'urgence et ça a été un peu ça le ton de départ, où est-ce que on pensait qu'on allait le perdre. Donc, nous, on perdait plus de temps, on tournait, on voulait tourner. Puis moi, je voulais tourner, mais on n'avait pas le financement, on n'avait rien. Là. Mais moi, je tournais parce que je me disais, je ne peux pas échapper ça, je ne peux pas apprendre la semaine prochaine que Paul est décédé puis que je n'avais pas pu avoir le maximum. Puis tranquillement, ben, le temps passé, puis Paul a survécu, il est encore en vie. Donc, le temps était nécessaire et le temps était très bon. Super. Qu'est-ce qui a mené exactement à cette entrevue-là? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu l'opportunité de faire cette entrevue-là? Bien, l'entrevue, en fait, ce n'est pas tout à fait le point de départ. Le vrai point de départ, ça a été une discussion avec la productrice qui est Valérie Bissonnette, avec qui je travaillais sur la série L'espace d'une chanson à Télé-Québec. Elle m'avait mentionné qu'elle avait potentiellement les droits, parce que ça prend un peu des ententes comme ça pour réussir à raconter des histoires de grandes vedettes comme les Vachon. Donc, elle avait comme une entente où elle pouvait avoir les droits. Puis tout de suite, j'ai senti un potentiel qui n'était pas lié, pas parce que c'était du sport, mais parce qu'il y avait un lien, il y avait un potentiel fantastique avec la lutte. Donc, le point de départ, ça a été ça. Puis la première entrevue s'est faite justement parce que de nos informations, on comprenait que Paul n'en avait pas pour longtemps. Donc, on s'est rapidement rendu à Montréal faire une entrevue de fond pour essayer d'avoir le maximum de contenu de la part de Paul. Et ça a été une entrevue qui a duré 6 heures, peut-être. C'était épouvantable. C'était long. Puis Paul, c'est un très bon conteur, mais c'est un homme il avait 78 ans, je pense, au début, là, 77. Puis c'est sûr que les choses prennent plus de temps, les liens sont plus difficiles à faire. Il se fatigue aussi à travers l'entrevue. Donc, l'entrevue qu'on voit dans le film, cette entrevue-là dont je parle, c'est l'entrevue qu'on voit quand on est dans une espèce de ring, c'est un peu sombre. Ça a finalement été un peu le squelette du film. En fait, ça a été le squelette de notre processus pour faire le film. Finalement, dans le film, ce n'est pas tant le squelette, mais ça a été en fait là-dessus qu'on a bâti pendant 5 ans. Puis voilà, donc cette entrevue-là a été marquante. Parce que je ne connaissais pas Paul, je ne savais pas à qui j'avais affaire. Et dans ma tête, moi, je m'en allais faire une entrevue avec le frère de Mad Dog. Une entrevue avec. C'était pas la vedette, moi, que je rencontrais, là. C'était le frère de la vedette. Fait que j'avais pas de temps. J'étais pas très convaincu de tout ce projet-là, finalement. T'sais. Puis ça a pris comme quelques questions pour que je comprenne le personnage puis que je fasse waouh, je pense qu'on a quelque chose avec beaucoup de montage. On va réussir à faire quelque chose. Puis là, après ça, on continue, on en reparlera tantôt, mais j'ai commencé à le suivre dans sa vie de tous les jours. Ça m'amène une question de mon côté, à moins que Thomas Carrier-Lafleur voudrait poser une question. Mais Vas-y, Joël, c'est y ce aller. qui m'amène une question, Mathieu, tu dis, ben, je vais tutoyer, on s'est Oui, déjà oui, parlé, puis on s'était dit qu'on allait se oui. tutoyer. Alors, attends, je vois Thomas, je te vois, OK. Ce que je disais, c'est que tu as dit, on a fait l'entrevue de 6 heures, puis ensuite j'ai compris qu'avec beaucoup de montage, j'avais quelque chose à faire. Alors, c'est suite à toute la réécoute ou c'est même sur le plateau même du tournage, j'ai dit, OK, il y a quelque chose à faire là. Puis,
qui m'amène à l'autre question aussi. Comment tu as abordé tout de suite, Paul, je veux dire, Paul, c'est pas facile de développer une relation. Puis comme je disais, vous avez développé une relation quand même qui est dans la durée encore une fois. On en a parlé plus tôt aujourd'hui, qui est encore présent dans ta vie aujourd'hui. Alors, comment on fait pour entretenir ce genre de relation-là? Comment on fait pour la démarrer suite à cette rencontre-là? Ça ne doit pas être facile justement avec une personne âgée. J'imagine qu'il y avait peut-être un désir de raconter aussi. Ben oui, c'est ça. Puis moi, j'ai réalisé, pour revenir à la première question un peu, là, tu sais, j'ai réalisé que j'avais quelque chose, pas juste en montage, mais on le voit le personnage, là, on voit son visage, ses cicatrices, sa façon de parler. Tout était là. C'était un personnage qui se présentait à moi, un personnage de fiction qui était vivant. Tu sais, c'était ça, puis c'était clair. Ensuite, on devient vite ami avec Paul. N'importe qui devient vite ami avec Paul. Donc, ça allait de soi qu'il allait me prendre un peu par la main puis me trimballer parce que c'est ça qu'il fait, c'est ce qu'il est. C'est une personne qui est très facile d'approche. Puis après ça, l'autre question, on parlait dans le temps, c'était quoi? Je me disais, une fois que tu as établi une relation avec lui lors de cette première rencontre-là, d'aller à la rencontre de lui pour lui proposer un projet à plus long terme, c'est pas facile. Comment ça se développe, ce genre de relation-là, et la production autour de ça aussi? Je ne sais pas si c'est de la chance là, avec Paul ou c'est une chimie qui s'est vite installée, je ne saurais pas dire, là, mais tu sais, quand on a fini l'entrevue, Paul m'a dit bon, je m'en retourne chez nous. On était quelques jours avant Noël. Il dit je m'en retourne chez nous, j'ai du travail qui m'attend. Je dis comment ça, du travail? Il dit je suis Santa Claus, je suis Père Noël au Vermont, comment ça s'appelle? En tout cas, au centre d'achat à côté de chez lui. Fait que je fais waouh, OK, je veux voir ça, je veux y aller. Fait que ça a été tout de suite, c'était pas on a-tu du budget pour y aller? Non, je suis parti avec ma caméra, moi j'ai mon propre équipement, puis je l'ai suivi, puis ça a commencé comme ça. D'ailleurs, sa femme, à ce moment-là, Dee, qui est assez présente dans le film, ne voulait pas être filmée du tout. Là. Donc, si on regarde là, les segments, tout le segment qui est au centre d'achat, qui est là au début du film et on y revient à deux, trois reprises, au milieu puis à la fin. Jamais on voit Dee, mais elle est très présente, là. Elle est là, mais je n'avais pas le droit de la filmer. On ne se connaissait pas. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire, puis elle appréhendait beaucoup l'idée d'être dans un film. Puis tranquillement, les liens se sont faits, puis ça s'est placé. Ça a été comme ça avec d'autres personnages on pourra reparler plus tard, là, mais dans le film aussi. C'est toujours ça le documentaire, hein, de développer des liens, c'est ce qu'il y a de plus important parce qu'après, la caméra tourne, puis si les liens sont établis, les choses se passent. En effet. Tu m'amènes à la question peut-être de mon côté au niveau de la scénarisation. Tu n'es pas le seul à avoir scénarisé ce film-là. C'est une co-scénarisation. Comment vous avez travaillé l'approche d'écriture? D'un, est-ce que vous étiez deux co-scénaristes au point de départ ou c'est quelque chose que tu as décidé que je veux de l'aide, je vais aller chercher quelqu'un de plus expérimenté? Peut-être pas, peut-être que toi-même, tu es assez expérimenté en la matière. Comment tu as abordé la situation? Justement, avec la productrice Valérie Bissonnette, on avait collaboré avec Annick Charlebois dans la série « L'espace d'une chanson ». Donc, moi, je ne l'avais pas connue beaucoup, mais Valérie m'a dit au départ, au début, moi, j'avais déjà quelques tournages de fait, j'avais des démos de fait. J'étais quand même assez avancé, là, dans une certaine mesure. En tout cas, là, j'avais quand même... J'étais plongé dans le projet là, des derniers vilains, puis à un moment donné, Valérie, elle m'a proposé d'avoir de l'aide, puis j'ai dit oui, parce que je sentais que c'était un gros projet, puis je voulais que ça se fasse le mieux possible. Fait que Annick est rentrée dans le projet, elle a vu les démos, elle est tombée en amour avec l'histoire, avec le personnage, puis on s'est mis à parler, puis à discuter, puis elle agissait aussi à titre de, ben,
T'sais, elle nous aidait à planifier les tournages, mais c'était pas de la scénarisation là, encore. C'était plus des idées. T'sais. Bon, ben, on s'en va à telle place, on s'en va à Las Vegas. Bon, ben, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un prix qui est remis qui porte le nom de sa fille. Donc, profitons-en pendant qu'on est là-bas pour traiter de sa fille. T'sais. Fait que c'était comme ça qu'on scénarisait un peu plus comme un travail de recherchiste, parce qu'à la base, Annick est recherchiste. Donc, elle faisait sa recherche, puis on scénarisait en fonction de ça, où on donnait une ligne directrice. Fait que moi, je partais, puis j'avais une ligne directrice. Je savais pourquoi je m'en allais à tel endroit, avec quel objectif, grosso modo, puis je tournais. Fait que ça me permettait d'être un peu plus structuré. Mais c'est vraiment à l'étape de montage que là, on est tombé dans une réelle scénarisation. Assez spéciale comme scénarisation, là, quand tu as tous les morceaux du casse-tête, puis que là, tu commences à scénariser, c'est le fun parce que tu as du tangible avec quoi travailler. Puis on a fait ça. Ça a été peut-être le plus dur de tout le projet. Là. Ça a été ce moment-là là, de structurer tous ces blocs-là que j'avais qui marchaient très bien indépendamment, mais que je voulais éviter d'avoir juste une entrevue qui allait les lier. T'sais, je voulais plus que ça. Je voulais que ce soit le film, je voulais que ce soit une expérience, que ce soit un voyage. Puis ça me prenait de la matière pour y arriver. Là. Fait qu'on a travaillé ensemble pour élaborer tout ça. Donc, si je peux me permettre. Vas-y. C'est ça. Donc, on va essayer de se synchroniser sur Zoom parce que c'est la première fois qu'on le fait. Donc, Thomas Carrier-Lafleur, l'enseignant du cours cinéma-télévision, co-animateur de la séance. C'est une très bonne question de commencer sur la durée parce qu'en effet, donc, tournage pendant 5 ans, et c'est un film aussi sur la durée. Donc, Thomas, tu l'as dit avec le corps de Paul Vachon. Donc, on voit les rides, on voit les blessures. Juste donc, le voir marcher avec sa canne et son panier donc, au début dans le centre d'achat, c'est. Donc, il y a une forme d'expérience temporelle dans le film qui se crée notamment avec le récit familial. Donc, son frère, sa fille, sa sœur. Et tu dis que d'emblée, ce n'était pas le plan donc, de faire le récit de la famille Vachon, mais c'était d'emblée centré sur un portrait de Paul et que ça s'est ajouté de façon plus incrémentale pendant les 5 années de tournage, c'est ça? Ou, j'ai mal compris. Je dirais, en fait, non, je me suis peut-être mal expliqué. Bien, en fait, je vais m'expliquer. en fait, l'entrevue de fond qu'on a faite, là, qui était en urgence, c'était dans le but d'avoir son histoire. Donc, on jouait avec le passé seulement à ce moment-là. Donc, ne sachant pas à qui j'avais affaire, ne sachant pas à quel point c'était un beau personnage, on allait faire cette entrevue-là comme un point de départ, mais c'est là que j'ai réalisé que peut-être que le plus intéressant, en tout cas pour moi, c'est peut-être pas tant ces histoires qu'il me raconte du passé, mais peut-être d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie aujourd'hui et de tisser des liens avec son passé. Tu sais. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il fallait que je découvre le personnage pour découvrir l'intérêt envers son présent. Et le montage, donc, est-ce que ça a été un long processus aussi? Parce qu'on a parlé, donc 5 années par-ci par-là à grappiller des séquences et ensuite se ramasser devant un casse-tête. Et ouais. Combien de temps ça a pris? Puis, question parallèle, en fait, pour assembler tout ça, pour ceux et celles qui ont vu le film, d'ailleurs, on ne saurait trop le recommander, c'est vraiment un documentaire fabuleux, mais le dispositif qui lit tout ça, c'est notamment le dispositif livresque, donc on voit un livre dans le film, et on peut en parler tout à l'heure parce que c'est un livre qui existe, donc tu l'as avec toi. Et voilà, donc combien de temps pour le montage et à partir de quand cette idée-là de mettre en scène le livre et notamment ce que Paul a écrit des livres aussi, donc c'était assez facile de faire le lien avec sa propre vie, mais donc comment ça s'est agencé tout ça? En gros, on avait tourné sur environ 4 ans, j'avais je ne sais pas combien d'heures de matériel, mais chaque tournage était comme un bloc. Donc, c'était évident pour nous que chacun de ces blocs-là se tenait. Tu sais, on n'avait pas à mélanger les blocs. C'était pas une question, ça se pouvait pas. Là. Fait que c'était déjà quelque chose de clarifié. Donc, sur l'espace de un an et demi, on s'est mis à faire du montage.
de façon intensive, je dirais 6 mois, là. Mais quand même, sur un an et demi, ça s'est fait. Il y avait Annick et moi qui travaillons ensemble. Moi, je fais du montage beaucoup, donc on scénarisait, je montais, j'y montrais des trucs. On échangeait là-dessus, toujours par Skype ou Zoom, peu importe, à distance. Et j'avais une troisième roue hyper importante à l'engrenage, qui était notre monteur Benoît Côté. Donc, ça permettait d'avoir une espèce de triangle où j'étais un peu au centre des trois. Et ce que je faisais avec Annick, je le vérifiais avec Benoît. Et ce que je faisais avec Benoît, je venais le vérifier avec Annick. Fait que c'était un peu toujours comme si j'avais du recul sur ce que je venais de faire sans jamais le quitter. T'sais. Ça me permettait d'avoir un regard neuf. Parce que pour ceux qui ont déjà fait des films ou peu importe, souvent, quand on présente notre produit final, en présence des gens, on dirait qu'on est capable de le voir avec leurs yeux. C'est comme si tout à coup, on était capable de se détacher de soi-même puis de comprendre qu'est-ce qu'eux voient. Ça, c'est un effet très... ça m'a toujours passionné ou... Je trouve que c'est comme une espèce d'expérience... comment on dit, là, post-corporel, extracorporel, ou en tout cas, je ne sais pas. Mais c'est rien de ça, mais quand même, tu sais, il y a ça, fait que d'avoir les deux, ben, j'avais toujours comme un regard neuf. Et à travers ça, le livre est venu assez tard. Il faut savoir que c'était vraiment un casse-tête. Là. C'était vraiment là, sur mon mur de bureau, là, j'ai des photos. J'avais des cartons, là, comme on voit, là, des grands films de fiction pourraient se faire. Là, ben, là, j'étais rendu là parce que je voyais plus clair. Là, j'étais, la nuit, je me réveillais, je pensais à ça. C'était bon. Et à un moment donné, ben, ce qui me gardait éveillé la nuit, c'était le fait que je n'avais pas le liant, mais je n'avais surtout pas la solution à raconter cette histoire-là avec le contrôle que je voulais avoir. Je parle surtout en termes de rythme, OK? Parce que Paul a son rythme, mais un rythme assez lent. Et pour des raisons que j'expliquerai tantôt, je ne voulais pas faire un documentaire fleuve. Je voulais qu'il y ait une énergie, qu'il y ait quand même que ça se passe. Que bon. Donc, j'essayais d'avoir cette espèce de contrôle-là. Et surtout, on savait qu'on avait besoin d'une narration parce que Paul, ses histoires, il les raconte, mais dans des contextes, des fois, qui ne sont pas les bons. Il ne nous dit pas les détails. Puis ce n'est pas une question de s'accrocher à la vérité parce que ça, on y avait renoncé dès le départ. Hein. Avec Paul, on ne s'accroche pas à la vérité, on s'accroche à ce qu'il nous raconte. Puis on a pris le pari de vraiment embarquer dans ses contes. Et non dans la vérification des faits. On a vraiment embarqué dans ces grandes fantaisies de ce que pu être son passé. Tu sais. Le livre venait... une nuit, je me réveille et une idée que j'avais déjà eue me revient, celle de faire de ce film-là un livre, en fait, de passer par un livre pour le raconter. Et qu'on avait écarté cette idée-là au départ, mais là, c'est devenu tellement clair à ce moment-là que, de un, je pouvais prendre le contrôle, je pouvais sauter du coq à l'âne grâce à des chapitres, et je pouvais aussi faire raconter l'histoire de Paul par quelqu'un d'autre, mais toujours au jeu, à la première personne, parce que c'était un livre qu'on pouvait considérer qui avait été écrit par Paul. Donc, ça venait régler tous mes problèmes. Et dès le lendemain, j'ai pris... tout l'avant-midi pour convaincre Annick, qui m'avait déjà un peu dit non, on n'a pas besoin de ça, on essaie d'épurer. Puis j'étais d'accord avec elle 2 mois plus tôt. Mais là, je suis revenu à la charge, je dis Annick, je pense que là, c'est ça que ça prend, on s'en sortira pas. Là. Puis elle a compris où je m'en allais, puis on est parti avec ça. Voilà.
Merci pour cette très belle réponse. Ça répond en effet à beaucoup de questions qu'on peut avoir. Puis ça évoque en nous certainement plein de questions aussi. Du moins, c'est certain que moi, j'en ai plein d'autres. Je pense que Thomas ah aussi. Oui. Puis, regarde, une fois, j'ai plein d'affaires à vous apporter. Là. Ça va être le fun. En effet, moi, je voulais juste ouvrir un petit peu, peut-être laisser la place aux étudiantes, ou les gens sur YouTube. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, je pense que ça serait un bon temps pour commencer. Je ne sais pas si c'est le cas. Thomas me le dira. Thomas Carrier-Lafleur, est-ce que c'est le cas? J'invite tout le monde à le faire. Si ce n'est pas maintenant, ça peut être plus tard pour le faire. Ceux qui sont sur Zoom, ça peut lever votre main virtuelle. Et poser votre question. Il faut le faire parce qu'il faut en profiter, parce que faire du documentaire, c'est pas facile fiction non plus, mais documentaire, c'est toute une autre approche, la grosseur de l'équipe, la quantité d'argent qui est injectée là-dedans, tous les imprévus, parce que le milieu de la fiction est beaucoup plus cadré que le documentaire. Puis comme Thomas a bien dit tantôt, il se jette corps et âme dans ce projet-là, puis il répond au téléphone aussitôt que ça sonne pour ce genre de projet-là. Alors, je pense que ça vaut la peine de poser ces questions-là parce que c'est pas facile de faire du documentaire. Puis on a la chance d'avoir Thomas ce soir pour parler de ça. Mais bon, voilà. Thomas, donc, veux-tu poser une question? Vas-y. Oui, c'est-à-dire, c'est pas tant une question qu'une remarque, puis on peut rebondir sur plein de sujets après, donc, notamment le livre que tu as amené. J'aimerais bien le voir ensuite, mais je pense que tu as dit la phrase clé qui résume... ton film, qui est finalement, ça ne servait à rien de vérifier les histoires de Paul. C'est-à-dire, on parle à... essentiellement, c'est un vieux monsieur qui a une vie extraordinaire, là, donc qui est sur tous les continents, qui a été une vedette tout en étant dans l'ombre de son frère, tout en étant qu'il est encore plus une vedette que lui. Et on pourrait dire, c'est une façon naïve, mais donc à l'université, on enseigne ce qu'est le documentaire et donc un peu partout. Et la notion de vérité dans le documentaire est évidemment importante tout en demeurant très abstraite, mais ce qui résume bien ta démarche, c'est ce qui compte, c'est pas la vérité factuelle de qu'est-ce qu'a réellement été l'existence de ton protagoniste, donc de Paul de Butcher Vachon, mais c'est comment est-ce qu'il arrive à communiquer une expérience et comment est-ce que c'est un personnage de conteur. Et ce qui compte, c'est la vérité de l'émotion, finalement, et ça, donc, le film le rend très bien. Et comment, justement, ça a été, peut-être une question parallèle à ça, mais est-ce que ça a été difficile de choisir le comédien dont j'oublie le nom, qui joue dans le Parti de Pierre Falardeau, il joue dans les Pays d'en haut, donc j'oublie son nom? Roger Léger. Donc Roger, donc Léger. Est-ce que ça a été difficile de trouver? Est-ce que c'est quand même quelqu'un qui a une voix assez... qui ressemble à celle de Paul, mais celle de Paul est très particulière aussi avec ses opérations et tout ça. Donc, une fois que ça a été choisi comme idée, est-ce que ça a été un long processus, trouver la bonne voix? Est-ce qu'il y a eu plusieurs essais pour incarner un conteur? Si vous êtes prêts pour un petit détour, je vais vous faire un petit détour parce que le processus était quand même intéressant. Avant l'arrivée du livre dans la structure du film, on avait comme idée de faire narrer le film par un acteur, mais qui jouerait le rôle du butcher, donc, c'est-à-dire le personnage de scène de Paul. C'était une idée qui a perduré peut-être pendant 5 mois ou 6 mois, où on pensait que c'était ça. Là. On pensait vraiment que le film allait être raconté par le lutteur et donc qu'il allait avoir un point de vue un peu plus dur, un peu plus comme un personnage de lutteur peut être. Mais on sentait que ça boitait un peu, puis que c'était plus ou moins... mais on avançait, tu sais, on continuait à avancer dans le processus, puis on était dans le brouillard. Hein. Vraiment, à ce moment-là, là, c'est comme tu avances dans le brouillard, puis tu ne sais pas où tu t'en vas, mais tu suis ton GPS, puis tu te dis à un moment donné, on va voir où on s'en va, tu sais. Puis on a auditionné, même plus qu'auditionné, on a fait un bon bout avec Jean-Pierre Bergeron. Vous connaissez l'acteur Jean-Pierre Bergeron. Puis on a fait un bon bout du film avec lui. Là. On a une narration qui existe de Jean-Pierre qui incarnait justement le butcher. Puis jusqu'à un long bout, là, c'était Jean-Pierre Bergeron. Même une fois qu'on a écarté l'idée d'incarner le lutteur, on avait gardé Jean-Pierre. Puis à un moment donné...
On avait la chance d'avoir dans notre équipe une équipe, ben, de nos producteurs ont une agence de casting. Puis à un moment donné, ils ont vu le film. Puis on dit, écoute, ça vaudrait la peine qu'on pousse le processus un peu plus loin. Puis ça nous a, les deux, Annick et moi, un peu réveillés en voulant dire, OK, nous, on était restés accrochés au fait, on était restés accrochés à notre narrateur qui devait incarner le Butcher. Donc, Jean-Pierre Bergeron, quand on connaît un peu les personnages qu'il fait, un peu baveux, un peu, tu sais, il est capable de jouer cette espèce de personnage-là. Mais ça ne cadrait plus après quand on sortait de ça, puis on ne s'en était pas rendu compte. T'sais. Ça nous a pris quelqu'un qui nous sonne la cloche, puis là, on a passé des acteurs en entrevue, puis en casting. Puis là, ça a été clair et net. Ça a été clair. Quand on savait, selon les démos, en écoutant les démos, que Roger Léger était probablement le bon, on avait des bons candidats à côté de lui aussi. Puis quand Roger Léger est arrivé, c'était comme, OK, c'est parti, c'est sûr, c'est lui. Non seulement ça, on a des takes dans le film qui viennent de son audition. Tellement il était right on, là. Il était direct dessus en partant. Fait que, après ça, on s'est posé des questions sur est-ce que c'est trop similaire à la voix de Paul? Est-ce qu'on est dans quelque chose de trop... est-ce que les gens vont se poser des questions à se dire, ouais, c'est qui qu'on entend, là? Pourquoi... Mais étant donné qu'il y a le livre qui est bien introduit au début, il y a tout ça. Après ça, la réflexion, bon, ben là, j'ai composé l'intro, le pan sur les livres au début, il y a des histoires tellement vraies. Fait que là, on sent que c'est pas lui-même. On sent que c'est un conteur qui nous conte l'histoire de quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est important d'installer ça pour pas que la narration porte à confusion. Fait qu'on voulait se détacher. Puis avoir quand même une voix masculine qui était dans les cordes. Wow, quel beau jeu de mots. Dans les cordes du lutteur Paul Vachon. Vocal, les cordes vocales. Oh, j'imagine qu'il y a eu plusieurs jeux de mots sur la lutte pendant le montage et pendant la production. Ouais. Est-ce que quelqu'un aurait une question parmi le public en délire ou la salle Zoom? Pour le dire autrement, donc Cassandra, tu avais ouvert ta caméra. Je ne sais pas si c'était pour une question ou juste que la caméra était fermée avant, donc pas question de poter sur la parole de Cassandra. Joël, veux-tu rebondir là-dessus? Sinon, j'en ai une autre. Je te laisse rebondir. J'en ai plein, mais vas-y, je te laisse rebondir. Puis j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que Thomas a apporté pour nous autres, parce que là, c'est comme caché. On crée un suspense, tu sais, c'est ouais, ça le but. Donc, on parle de quelque chose, on va couper, puis la semaine prochaine, on va revenir, puis on va parler. En présentiel, on était supposé de faire cet événement-là au mois de mars dernier, puis ça a été coupé à cause de la pandémie. On aurait été en présentiel, puis on aurait pu voir les éléments physiques. Ils sont cachés, on ne sait pas. Il y a comme un jeu ici, puis j'ai hâte de les voir. Mais je te laisse poser ta question. Et on pourra les numériser ou tout ça, faire un petit montage aussi pour l'archivage de la chose. Mais tu as mentionné, un effet, et donc c'est vrai, moi-même, je me souviens lors de mon premier visionnement, on se demande qui est ce narrateur-là, est-ce que c'est Paul, est-ce que c'est pas Paul, et donc il y a cette espèce de flottement-là, et dans ce que tu décris aussi, donc l'importance des médiations, pas juste raconter une histoire, mais raconter une histoire qui mentionne quelqu'un qui parle de ses propres histoires, et le film est plein, en fait, de médiations comme ça, c'est pas, donc, ne serait-ce que les archives, donc qui sont omniprésentes dans le film, ce qui était le premier sujet sur lequel je voulais t'amener, un autre qui est un peu parallèle, les dessins, donc les caricatures, donc des différents lutteurs avec leur devenir animal, donc ce qui souligne le côté spectacle excessif de la lutte, parce que donc c'est ça essentiellement, donc la lutte ou donc le catch pour les Français, mais c'est un spectacle qui est basé sur les apparences, qui est basé sur un certain plaisir d'en mettre plein la vue, et c'est présent dans le film avec, donc, d'une part, les dessins, et aussi, mais même la monstration des archives, comment, parce qu'il y a, et peut-être commencer par ça, il y a un réel travail de montage qui est fait sur les archives, qui sont de différents ordres, c'est-à-dire, il y a à la fois des matchs de lutte, il y a à la fois les films dans lesquels Paul Vachon a joué, parce qu'il a joué dans plein de films de série B, voire série Z, et aussi dans des témoignages des différents membres de sa famille qui parlent de la lutte, mais pas dans un contexte de lutte, et peut-être, donc, développer. Quand est-ce que vous avez eu accès à ce matériel-là? Quand est-ce que c'est arrivé dans le processus créatif? Et comment décider qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui ne rentre pas dans le film? Parce que c'est plein. Donc, on voit Hulk Hogan, on voit le géant ferré, on voit
Donc, ben, c'est tout un monde et c'est extrêmement coloré, donc le monde des archives du catch et donc de la lutte. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Ben, écoute, tu me replonges là, en me disant tout ça, là, tu me replonges dans le processus puis à quel point c'était écoute, c'était tout un casse-tête. Si on regarde le film puis on réalise à quel point, justement, il y a des archives qui proviennent de plein de sources différentes, il faut aussi se dire qu'il a fallu faire des détours pour aller justifier la présence de ces archives-là et pas que ça soit juste plaqué là. Tu sais, le film devient motivé par la présence ou l'existence d'une archive. Tu sais, à un moment donné, si Paul a fait un 45 tours ou si il y a eu un combat, je ne sais pas, à un moment donné, tu te dis, OK, là, on a l'archive, on l'a, elle existe. Bien, il faut aller le raconter. Donc là, ça vient comme tu composes, tu scénarises ton film en fonction du matériel existant. Donc ça, c'est ça a fait partie du casse-tête. Donc, tu sais, c'est comme une scénarisation qui venait pas juste de ma tête et loin de là, là, ça venait de ce qui était à notre disposition. Puis ensuite, on composait avec ça. Ça a été un travail immense d'archives de la part d'Annick de trouver ça. On a trouvé nous autres de notre bord aussi en cherchant sur Internet. Ensuite, il a fallu trouver les ayants droit. Donc là, on rentre dans une autre histoire, mais c'est énormément de petits morceaux de casse-tête là, qui composent le film finalement. Puis j'espère que ça n'apparaît pas trop. Tu sais. au contraire, c'est ça. C'est-à-dire. Les derniers vilains, c'est pour moi, et j'en avais parlé dans la critique que j'avais faite pour le film, pour le magazine Spiral Web, si jamais il y a des curieux, des curieuses, mais pour moi, Les derniers vilains, c'est un film sur le plaisir de la narration, à la fois donc, la narration de Paul, à la fois le film lui-même, qui est une grande narration, ou le plaisir de conter, donc de manière générale, donc de se conter des histoires, et de transformer sa vie en histoire comme Paul le fait, et la présentation des archives, pour moi, dans le film, justement, est tout sauf quelque chose d'artificiel ou de plaqué, mais au contraire, il y a vraiment un certain rythme et il y a vraiment une vitalité donc, dans ce travail-là. Et donc, c'est ça, j'étais curieux. Moi, c'était mon grand objectif, c'était de les justifier tout le temps, de toujours avoir une raison pourquoi on y arrive, tu sais, puis de les faire désintégrer, donc c'est ça. Et puis, bon, on parlait tantôt, tu parlais des illustrations. Ça a été en fait tellement une autre belle chance. C'est un paquet de coups de chance finalement, ce film-là. Des belles œuvres d'art. Ce sont de belles œuvres d'art en passant. C'est incroyable. Ah, c'est vraiment cool. Je sais pas si les gens ont tous vu le film, là, mais tu sais, j'ai une espèce Bon, en tout cas, je lis le livre ici, là, mais bon, c'est une vieille version. Ça, c'est une des premières versions. Ça va être cool. Je vais vous montrer ça tantôt, mais. C'est des illustrations pas encore terminées, en fait, qui n'étaient pas abouties, là, qu'on ne les avait pas encore. Ça a été quelque chose, tu sais, parce que ici, celle-là, elle était aboutie. Là. Ça a été une des premières qu'on a eues, qui nous a convaincus qu'on avait le bon illustrateur parce que c'était absolument magnifique, là, ce qu'il faisait. Donc ça, c'est un des quatre exemplaires du livre « Les derniers vilains » qui existent. Mais c'est ça, la rencontre avec l'illustrateur s'est faite suite à ma réflexion de « bon, OK, on veut un livre, qu'est-ce qu'on fait avec, à quoi ça peut ressembler? » Parce que les livres à Paul ressemblent à ça, et c'est des photos, on ne peut pas faire plus simple, là, c'est des photos comme ça, à gauche, à droite, là, tu sais, puis bon, c'est ça. Et je me disais, non, ça prend un livre qui a une espèce de qui va nous amener, qui va nous emporter dans un conte qui va avoir un papier jauni un peu texturé. Donc, tout ça, elle est tout ensemble. Puis, les illustrations, il fallait que ça colle. Puis moi, j'avais en tête, ça prend des illustrations de style gravure. Et j'ai cherché sur Internet, sur les portfolios d'illustrateurs québécois, je suis tombé sur Marc Tellier. Et Marc Tellier est un illustrateur hors pair qui fait des pubs et un peu de tout. Et je l'ai appelé directement. Et on a jasé et il dit, on va se rencontrer. Il est venu ici au Lac Beauport chez nous. On a jasé pendant un avant-midi. Il a accepté le mandat. Puis ça a
ça a été difficile pour lui quand même. Les délais étaient quand même courts, puis ça lui demande beaucoup de temps à faire son travail parce que c'est pas rien. Donc ça a été super là. Mais c'était motivé tout ça par l'envie de créer l'effet d'un conte et que l'esthétisme de tout ça se tienne et qu'on soit justement aussi dans ce que Paul porte sur ses épaules. C'est son passé, c'est les années 60, 70, 80, tu sais. Donc, ça, je voulais un livre, je ne voulais pas des pages blanches comme ça, je voulais des pages jaunies. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais tu sais, ces pages-là ont une texture, tu sais, puis j'ai essayé plein de sortes de papiers, tu sais, ils m'ont envoyé là, plein de sortes, puis j'ai trouvé un papier qui fonctionnait, j'ai fait un test. À l'écran, on a fait imprimer, je l'ai testé avec une caméra, puis la texture était trop présente parce qu'on est très, très, on est souvent en gros plan sur les images, puis si la texture est trop présente, bien, ça devient dérangeant. Donc, j'ai demandé un grade inférieur de texture. Ils ont réussi à le trouver. Et là, pour l'anecdote, tout le papier est imprimé à l'envers parce que sur le papier, il y a un sens. Et le sens sur lequel on devait imprimer normalement est encore un peu trop texturé. Mais si on allait à l'envers, il y avait juste assez. Là, c'était correct. Fait que tout le livre, j'ai demandé à ce qu'il soit imprimé à l'envers. Donc, il y a des pages qui sont plus texturées. Et je les ai bien choisies en fonction des photos qu'on avait. Puis, il y a des pages qui sont moins texturées. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de tous les défis là, qu'on a pu avoir, là, ben, ça en fait partie. Ensuite, la couverture. Bon, ici, on a une couverture qui est exagérément vieillie. Elle n'a pas fait... c'est pas celle-là qu'on a utilisée dans le film parce que je l'ai essayé puis je suis allé trop loin. J'ai frotté avec une laine d'acier puis à un moment donné, je disais, OK, je suis allé trop loin, ça ne marche pas. Fait qu'on a pris la couverture d'un autre livre, mais on avait des papiers. La couverture au début était supposée être rouge comme ça. Après ça, un brun plus foncé. Ensuite, on avait des écritures, la gravure, là, on avait différentes options. Ça vous donne une idée à quel point c'était le fun à faire. C'était vraiment. Puis tu sais, on a vraiment ici là, un livre. Il ne peut pas se lire, ce livre-là, parce qu'il y a des bouts qui se répètent, tout ça, mais tu sais, il est plein, là, il est plein. Il est tout imprimé au complet, là, puis toutes les pages, en fait, sont imprimées de façon à ce que la chorégraphie de la caméra fonctionne. Donc, si moi, je sais que quand on passe de tel moment, il y a une certaine énergie, bien, je veux que ça aille vite. Je ne veux pas que la caméra cherche. Je ne veux pas que la caméra a l'aide de mouvement à faire. Donc, les photos étant. La caméra restait fixe et si la photo était à gauche, sur la page de gauche, bien, je tournais la page et sur la prochaine page de gauche, l'autre photo est au même endroit, cadrée de la bonne façon. Fait qu'imaginez ça sur tout le processus. Des fois, je voulais qu'il y ait un mouvement, quand on est dans la mort de sa fille, tu sais, on est dans quelque chose d'un peu plus. C'est touchant, on est dans quelque chose de touchant. Puis. Là, je me disais, ben, ça serait bien que la caméra ait une espèce de mouvement qui appuie ça, tu sais, qu'elle passe d'une photo, puis qu'elle aille vers l'autre tranquillement, puis qu'on soit dans une espèce de danse, douce danse cinématographique. Tu sais. Fait que c'est ça. Donc, tu as fait le livre et le film en même temps, comme quoi des fois, avec Star Wars ou des machins comme ça, on sort le livre après le film. Donc, toi, tu as fait les deux objets en même temps, même si c'est... Donc, tant qu'à faire un projet fou comme ça, aussi bien être fou sur toute la ligne et multiplier les productions. Et donc, les cartes aussi, c'est du même illustrateur? C'est-à-dire parce qu'on voit beaucoup de cartes, donc le rapport à la géographie... Les cartes parce que, justement, Marc Tellier avait trop de travail. Il n'était pas capable de livrer là, tout ce qu'on voulait. Puis j'ai pris des cartes qui étaient que j'avais trouvées sur Internet, que j'adorais, qui étaient un peu des cartes à l'ancienne, tu sais, comme on voyait dans des vieux livres. Puis j'aimais beaucoup le look. Donc ici, je vais vous en montrer un. Puis je les ai faites en gros plan comme ça. Sont filmées sur des pages complètes. Ça n'apparaît pas dans le film parce qu'on est en gros plan dessus. Mais ça nous permettait de sentir moins la texture du papier
et de pouvoir dessiner aussi dessus. En tout cas, il y a des moments dans le livre où on est sur une page, mais il y a des moments où c'est vraiment filmé comme ça, sur une pleine page. Et ça, ben, ça a été un autre illustrateur, là, que j'oublie son nom, on a travaillé vraiment rapidement avec lui, mais il nous a tout traduit et refait, il nous a replacé des montagnes à des endroits, il a tout refait, parce que c'était des cartes à la base qu'on a achetées, mais qui étaient toutes en anglais. On a pris les bases, là, mais on a rechangé la couleur et tout ça. Là, donc voilà. Merci. Ouais, tu as une question? Ou d'autres cartes encore? Merci. Ouais. Non, ben, j'ai plein de questions. Je veux savoir si le public aussi en a. Et vas-y, et on surveillera les mains levées. Et le chat. Merci d'avoir partagé. Ah, il y a une question qui se pointe. Veux-tu la lire, Thomas, ton cours? Alors, je te laisse l'honneur. Ça va. J'aurais une petite question, oui. Alors, moi, je vais la lire à voix haute, si on veut. Ça vient de Linda, c'est Linda? Thomas Carrier-Lafleur, aide-moi. Est-ce que c'est le prénom, c'est Linda, je suppose? Oui, merci, la personne répond. La réponse répondre. Est oui. Mais alors, habituellement, ouais. Quand tu mets ces lettres-là, une à la suite de l'autre, ça donne à peu près ce Non, c'est parce qu'à l'Université de Montréal, c'est souvent inversé, alors je ne sais pas. OK, oui, dans ce point-là, OK. Ouais. Alors, j'aurais une petite question à poser. Linda pose cette question-ci. Outre les dessinateurs, avez-vous fait appel à un écrivain pour rédiger le livre ou étaient-ce les membres de votre équipe, voire vous-même? J'imagine que juste avec le documentaire, ça demandait un temps fou. Donc, si en plus, on rajoute un livre à l'équation. Merci pour cette question. Linda, c'est une très bonne question. Ça s'est fait entre Annick et moi. Annick Charlebois et moi, on a Annick a des grands talents d'écrivaine. Là. Elle a écrit un roman. Elle écrit très bien. Donc, moi, je lui donnais un peu souvent la matière première. Donc, un peu le où je m'en vais, quelle intention, c'est quoi le mood un peu. Puis elle, dans le fond, elle venait brasser ça. Plus ou moins, ça dépendait des fois, mais de façon à ce que ça soit bien amené. Peut-être des fautes de français, des fois assez... bon, mais en tout cas, c'était un échange. Là. C'était carrément un échange entre nous deux. C'était une belle collaboration, vraiment. Là. Puis on essaie de développer un autre projet ensemble parce qu'on sent qu'on collabore bien, on se complète bien. Mais y a-tu quelqu'un d'autre qui est venu écrire? Non, y a vraiment, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Ouais. Je me repose la question parce que le processus a été long, hein, mais non. On s'est basé aussi sur les écrits à Paul qui est en anglais. On a traduit des choses presque mot à mot pour être un peu collé sur ce que lui, la façon que lui le disait. Tu sais, on a utilisé son livre pour écrire aussi. Là, tu sais. C'est important de le mentionner parce que même s'il est en anglais, c'est quand même son intention est palpable, tu sais, ou sa vision de la vie est palpable à travers son livre. Tu sais, puis s'il parle de ses fils ou s'il parle de quoi que ce soit, bien, ça nous permet de savoir... C'est quoi nos limites? Puis après, on les vérifiait avec lui. Si on pensait aller un peu plus loin, bien, on pouvait le vérifier avec lui directement. Mais le livre, on se dit, bien, s'il le dit dans le livre, c'est ça. Tu sais, s'il le dit dans le livre, on peut le dire. Tu sais. Fait que ça nous permettait d'avoir un grand terrain de jeu là, assez ben, délimité un peu là, quand même. Là. Je ne sais pas si c'était avant... qu'on commence officiellement la rencontre ou pendant, mais tu nous as montré justement un des livres de Paul Vachon, puis comment tu avais travaillé donc, le texte et donc surligné des passages et que tu as comme des millions de post-it. Oui, c'est ça. En fait, ce livre-là, c'est le livre qui regroupe les trois livres de Paul Vachon. Donc, lui, il en a écrit quatre, mais le quatrième, c'est la somme des trois premiers. Donc, c'est dans celui-là que j'ai travaillé, puis... On peut voir à quel point, tu sais, c'est ça, il y a plein de post-it, il y a plein de notes surlignées, tu sais, il y a tout un travail, là, on peut voir un peu, là, je ne sais pas si vous voyez, mais avec, bon, c'est ça, avec des notes en haut qui me permettaient de me structurer et de dire, bon, ben, ce passage-là va dans tel chapitre du livre et du film, tu sais. Puis c'est plein, là, ça a été un travail.
Puis Annick avait fait la même chose de son côté. Puis je vois des choses là-dedans. T'sais, c'est sûr, on se dit toujours, il y a toutes des affaires qu'on a mis de côté, là, mais on n'avait pas le choix à un certain moment. Là, mais c'est ça. Non, il n'y a rien de trop brise-cœur qu'on a mis de côté, là, ça, malgré tout. Là, mais ouais. Je suis impressionné par le souci du détail, puis ton désir de vouloir vraiment te lancer dans la fabrication du livre, puis après ça, aussi faire toute cette recherche-là de manière qui est nécessaire pour le documentaire, nécessairement. Je me demandais, d'ailleurs, quel lien entretenais-tu avec le livre physique, tout ce qui peut être analogique, est-ce que c'est important pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui vient teinter ton aspect de créateur? C'est-tu quelque chose que, où le numérique chez toi, ça dérange, ça change absolument rien par rapport au côté tactile des choses, mais là, je me dirais, j'aurais tendance à penser que non. Et je te laisse répondre à ça. Ouais, ben, avec une autre question. Pour moi, le côté, l'expression est galvaudée, mais le côté organique du livre va toujours avoir sa chaleur, puis ça s'appliquait à notre film, tu sais. C'était pas je l'aurais pas fait pour rien, là, tu sais, c'était motivé, c'était justifié, à mon avis. C'était ça, mais tu sais, c'est sûr qu'on aurait pu se contenter de le mettre à l'écran, d'écrire des choses à l'écran ou de faire un livre, un faux livre qui aurait été fait par ordinateur, tu sais, mettons, pas en infographie, mais en animation, ou tu sais, je sais pas, là, tu sais, mais non, moi, c'était important d'avoir cette pièce-là je sais pas, là, pour... Ben, je sens un côté très, très poète ou très lyrique chez toi, peut-être... J'ai vu d'autres vidéos qui sont sur ton site Vimeo, puis ça a rapport avec les cyclistes, entre autres. Ah ouais. Puis je voyais qu'il y avait une approche très lyrique, quelque chose très poétique, puis je me demandais, peut-être être un grand lecteur, un avide lecteur de poésie ou de d'autres choses, est-ce que tu lis beaucoup? Es-tu quelqu'un qui consomme énormément de livres? Tu consommes plus de l'image? Parce que je pense que tu as un rapport très proche avec la caméra et l'image, la composition de l'image, peut-être la lumière. Toi qui viens des sports extrêmes et tu étais justement un des cinéastes des films que vous avez réalisés, 7 films que vous avez réalisés sur le cours de 7 saisons. J'essaie de voir tout le chemin, qu'est-ce qui t'amène à toi, qui tu es comme personne en tant que créateur, c'est quoi tes influences? Mes influences, c'est le cinéma. Là. Vraiment, le cinéma dans tout son éventail. Là. Autant la fiction que le documentaire. Peut-être un peu plus la fiction. Malgré que j'ai étudié le documentaire, j'ai toujours eu un attrait envers la fiction, par la magie, par tout ça, mais le documentaire a aussi cette touche de le réel. En fait, si c'est bien fait, on sent la vraie vie à travers ça. Puis c'est à des milles des films de ski, on pourrait penser, mais quand même, c'est faire des films de ski, c'est quand même une belle école pour un peu... évacuer des espèces de mauvais réflexes de débutants, si je peux dire. Il faut toujours débuter à quelque part. Moi, j'ai eu la chance que ça se fasse dans un contexte qui était qui pardonnait. Mes erreurs étaient cachées à travers de la musique trop forte et des gens qui faisaient des figures en ski qui étaient... qui captait l'attention et qui enlevait toute l'attention à la réalisation. Donc, ça, c'est parfait. Mais quand même, ça m'a permis de réaliser plein de trucs. Comme tantôt, quand je disais de visionner un film, d'écouter un film qu'on a fait avec des gens, ça nous permet d'être dans leur tête. Ben, c'est là que j'ai appris ça. T'sais, j'ai appris à faire quand je faisais les films, quand on faisait nos lancements de films, tout d'un coup, je me rendais compte que ce bout-là n'était pas aussi pertinent que je pensais en salle de montage. T'sais. À la question « Suis-je un grand lecteur? » Non. J'aimerais tellement ça, mais j'ai deux enfants, un de 2 ans, un de 5 ans. Je finis mes journées, je suis brûlé.
pas parce que je les ai toute la journée, parce que je les ai, je travaille et je les ai. Donc, ma journée est très, très remplie. À travers ça, il y a un peu de sport aussi. Fait que je lis plus, j'ai lu, mais là, en ce moment, non. En ce moment, depuis 5 ans, là, zéro, je ne joue plus de musique non plus. Je me concentre aux choses importantes là, pour l'instant, là, qui sont ma famille et mon métier, en fait. Mais quand je me plonge dans un projet, je vais me plonger dans des œuvres similaires où, tu sais, c'est là que je deviens comme un lecteur ou que je deviens vraiment un cinéphile, tu sais. Cinéphile, je vais toujours l'être, malgré que là, j'écoute plus Passe-Partout qu'autre chose, mais quand même, tu sais, j'essaie de me faufiler, là, puis d'écouter un bout de film, là, puis un bout de film, là, puis... mais comme là, on développe des nouveaux projets, ben, ça me force à prendre du temps, 2 jours, en plein jour, pour écouter des films. Tu sais. Puis je me sens coupable de le faire, mais je me dis non, non, c'est mon métier, c'est ça que je fais. Tu sais. je comprends tout à fait la situation. Écoute, t'as parlé de musique, j'ignorais, d'un, tu as dit je fais plus de musique, alors j'ignorais que tu faisais de la musique ou que tu jouais de la musique. Ouais. Mais cet aspect-là est clairement très important chez toi. On pouvait le voir peut-être au début de ta carrière, évidemment, dans les films de ski, c'est un classique d'avoir la grosse musique, ce genre de musique-là qui est là pour embellir les belles images en même temps, puis les belles prouesses, évidemment. Mais dans demeure pour moi que dans ton film Les Derniers Vilains, la musique est un autre protagoniste très important qui vient ajouter beaucoup, beaucoup à l'histoire et au film. Ça m'amène à 2 questions, mais je pense que je vais y aller dans la question des ayants droit, parce que tu as amené cette idée-là tantôt, les ayants droit, on a parlé d'archives, là, je parle de musique aussi, mais ça va ensemble. Il me semble, je me suis dit, comment est-ce qu'il a fait pour comme, faire ces choix-là de un au niveau des coûts, parce qu'on sait que la musique, ça coûte cher, les archives, ça peut coûter cher aussi, hein. Puis ça nous amène à des questions de distribution aussi par la suite. Ça ne sera pas facile de peut-être voir le film par après. Peut-être qu'on va avoir la misère à le distribuer pour ces raisons-là. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles de tout ça. Une excellente question, très juste en ce moment. En fait, on vit avec les conséquences un peu de ces choix-là. C'est beaucoup... je pense que tous les réalisateurs rêvent d'avoir dans leur film ce qu'ils veulent avoir. En fait, peu importe si ce soit de la musique, des archives ou des acteurs. Bon, mais tout ça a un coût. Et puis, en fait, moi, j'ai monté une V1, en fait, une version du film qui était avec tout ce que je voulais. C'était comme ça qu'on avait décidé de travailler. On s'est entendu avec la production que j'allais lancer une première version avec ce que je voulais, puis on allait décider après si ça pouvait tenir la route. Puis quand même, tu sais, j'avais toujours dans ce souci-là, mais je me disais, on est dans de la musique qui n'est pas de la musique, qui a été de la musique populaire, qui pourrait causer des problèmes, mais tu sais, je n'étais pas dans de l'actuel ou mettons des Rolling Stones ou des trucs vraiment inaccessibles. T'sais. J'étais dans des bands un peu country folk des années 50, 60, 70. T'sais. Bon, fait que je l'ai fait. Puis ça collait tellement bien avec Paul. En fait, la façon dont je suis arrivé à cette musique-là, c'est parce qu'en voyageant avec lui, j'ai ouvert son truc de CD qui est entre ses 2 bancs, puis j'ai vu les titres qu'il y avait, puis j'ai dit, ben c'est ça, tu sais, c'est sûr, puis j'ai écouté ça sur mon Spotify, là. J'ai des listes et des listes sur Spotify. Là. J'ai essayé plein d'affaires, puis aussitôt que je m'écartais un peu de ce que Paul est, que je tombais dans quelque chose d'actuel un peu, même si c'était folk, même si c'était une intention vintage, ça ne marchait pas. Il fallait qu'on soit dans l'époque. T'sais. Fait que pour ça, tout ça, ça a amené au problème qu'on a aujourd'hui, en fait. En ce moment, le film n'est pas disponible ailleurs que
pour des événements comme vous le faites, ou les festivals. Donc, ou Télé-Québec. Télé-Québec ont 2-3 passes là, qui leur restent. Vu que c'est eux qui ont été les premiers, là, bon, c'est les diffuseurs du film. Là. C'est une version écourtée, en fait, qu'eux ont. Mais c'est ça. Fait que le film, en ce moment, on se fait demander continuellement où on peut le voir, où on peut le voir, puis il n'y a personne qui peut le voir. Sauf des étudiants ou des festivaliers. Un gros problème quand même. Tu sais, quand tu fais un film, tu veux qu'il soit vu, puis... Mais c'est quoi qui mène à ce... Excuse-moi de te couper. C'est quoi qui mène à ce dilemme-là? Pourquoi c'est juste distribué là? Je pense qu'il y a aussi sur la plateforme Tank en passant, soit dit en passant. Mais encore là, il l'a été temporairement. Okay. Pas longtemps. Parce que c'était dans Tank, ils s'en servaient comme une promotion. Ils en ont fait comme ils ont utilisé ça comme une promotion dans le cadre du festival du Québec Cinéma. Là. Oui. Donc c'était un peu comme promotionnel, donc on avait le droit de le mettre là. Mais sinon, c'est ça. C'est que, en fait, quand on achète des droits musicaux, ben on leur dit pourquoi, dans quel territoire on veut utiliser le film. Puis on paye les droits en fonction de ça, puis on paye les droits en fait en fonction de l'argent qu'on a. Fait qu'on aurait voulu les libérer pour la planète au complet dans n'importe quelle plateforme, mais on ne pouvait pas. Fait que là, on est là en ce moment à voir c'est quoi nos solutions. Comment est-ce qu'on peut libérer le film au moins au Canada, qu'il soit sur un illico ou un truc comme ça. Puis après ça, on verra. Il y a aussi, plane encore une possibilité de faire une version anglophone du film. Une nouvelle narration, aller chercher des scènes qu'on a aimées beaucoup, beaucoup, qu'il a fallu enlever parce que c'était juste en anglais puis ça faisait un pourcentage trop élevé d'anglais dans le film. Fait que ça se pourrait qu'on se plonge dans une nouvelle version du film éventuellement. Scoop. Mais c'est vraiment dans le but d'aller chercher un marché américain. Là. C'est pas pour remontrer le film aux Québécois, là. C'est vraiment pour ouvrir de nouvelles portes à cette histoire-là, en fait. Oui, parce qu'en effet, oui, c'est sûr que ça va toucher beaucoup les Américains et ça va les rejoindre. Alors, tu dis que tu as beaucoup de matériel. Ça serait quoi le principe pour travailler le film dans ce cas-là, au-delà d'une narration qui est en anglais? C'est quoi, il y a des choses que tu voudrais changer au niveau de la construction de l'histoire? Comment tu vois la chose? C'est très intriguant, cette question-là. J'ai pas envie, c'est pas je me dis pas, ah, j'aimerais tellement ça que ce soit mieux, que ce soit différent, ce passage-là. C'est pas ça, c'est que je le sais qu'on a des scènes tournées avec Paul dans sa vie d'aujourd'hui, si on peut dire, qui étaient super, qui étaient vraiment extraordinaires, qui étaient en anglais ou même des bouts d'entrevue. Tu sais, Paul, il a vécu toute sa vie en anglais, finalement. Là. Donc, il s'exprime maintenant mieux en anglais. Ses phrases sont plus punchées. Les nuances sont là, en fait. Puis, ça aurait été plus facile de le faire en anglais, ce film-là. Mais étant donné qu'on le faisait pour le public québécois, ben c'était pas une question. Puis là, ben ce serait ça. Ce serait d'aller chercher ce qu'on a coupé, d'enlever certains passages. Le film, il serait différent. Là. C'est sûr qu'il serait différent. Ce serait un autre film, mais l'essence serait le même. Puis il y a beaucoup de passages. Une grande partie du film qui serait pas mal la même chose. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est plus dans l'objectif d'ouvrir des portes. Là. Et le film, justement, je joue, ben, juste pour rebondir sur la question de Joël, parlant de rebondir, j'ai dû filmer ma caméra parce que ma fille de 3 ans s'est cognée et ça pleurait dans la maison. Donc, comme quoi, c'est pas juste les lutteurs qui se font mal. Et en effet, les papas dans la vie ont parfois pas le temps de lire des livres parce qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants, mais tout va bien. Oui, donc, mais c'est ça. Mais donc, le film, en fait, il y a plusieurs scènes juste en anglais. Entre Paul et sa femme, c'est toujours en anglais. Mais au-delà de ça, c'est un récit sur l'Amérique de manière générale, c'est-à-dire ça parle du Canada, ça parle du Québec, ça parle beaucoup des États-Unis, on voit ça avec les cartes aussi, et le personnage de Paul est intéressant de ce point de vue-là, c'est que c'est une sorte d'histoire culturelle de toute l'Amérique, et donc la lutte fait extrêmement partie de la société, du spectacle ici en Amérique, et juste pour rebondir, c'est pas une question, mais une remarque, je sais pas si ça a été scénarisé ou si c'est le genre de petites choses qu'on a la chance de capter en documentaire, mais au début de
l'entrevue dans le ring, qui est l'entrevue matrice du film, Paul demande français ou anglais. Mmh. Et on voit finalement que c'est quelqu'un qui finalement joue peut-être des rôles même selon les langues qu'il parle. Et c'est quelqu'un qui est donc un être qui est plein d'histoire. Et ce rapport-là à la langue, donc vous avez quand même gardé des scènes en anglais, ben, ne serait-ce que parce que la famille de Paul, parfois, donc son neveu aussi parle juste en anglais. Ben, en fait, juste ce petit passage-là où il dit au début du film en anglais ou en français, pour moi, ça nous aidait ça justifiait un peu le fait que le film allait se passer en deux langues. T'sais. Fait que c'était comme tout de suite, on le met sur la table, tout de suite, on règle ça. T'sais. Tout de suite, il n'y aura pas de. Sa vie, c'est comme ça. Fait que ça tombait bien, je l'avais, il posait la question, puis ça marchait bien pour ouvrir le film. Fait que ça a bien marché. Puis ouais, c'est ça, Paul, c'est vraiment l'Amérique. Hein? Puis même si on en croit ses dires, il a grandement aidé à la fin de la ségrégation dans les États du Sud. Et en plus, l'Amérique, il y a la scène où il parle de son désir de cinéma, puis des films de cow-boy, et que ça aurait démarré sa vocation aussi. Donc, c'est tout un rapport aux fictions propres à l'Amérique et en effet à la frontière. Donc, Joël, je ne sais pas si on a vu d'autres questions dans le chat. Ça a l'air pas pour l'instant. Tranquille. On vous invite toujours à en poser. Je vais regarder sur YouTube, essayant d'être à peu près multitâche. Je crois que je n'en vois pas. Non, j'en vois pas. Mais est-ce que je peux poser une question, Joël? Ben oui, avec plaisir. Éventuellement, peut-être qu'on pourrait parler aussi de peut-être d'autres de tes films, étant qu'à être encore dans les derniers vilains, j'aurais deux questions. Je vais juste en poser une d'emblée, mais Thomas, donc tu es un sportif. Tu as longtemps été un sportif professionnel. Tu as fait des films sur le sport. La lutte, question comme ça, un peu naïve, est-ce que c'est un sport pour toi? Parce que c'est un peu un grand débat. Et il y a des films, justement, comme le film avec Mickey Rourke, là, le film de Aronofsky, donc de Wrestler, qui justement porte un peu là-dessus. Est-ce que c'est du spectacle ou est-ce que c'est du sport? Et toi, qui a fait des films de sport? Mais le sport a toujours une dimension de spectacle, de toute façon. Mais la lutte inverse un peu plus, c'est plus spectacle, peut-être moins sport. Comment tu as abordé ça et la filiation que tu vois par rapport à la dimension sportive du film avec ce que tu as fait avant? Ben, en fait, d'emblée, moi, je voulais me sortir du monde du sport. Là. J'ai tellement fait de trucs dans le sport que je voulais un peu changer de parc. Puis le fait que c'était de la lutte, comme je disais tout à l'heure, pour moi, ça ouvrait une possibilité fantastique qui était complètement différente du sport. Donc, c'était comme une belle porte d'entrée. J'avais la crédibilité du monde du sport auprès des diffuseurs. Donc, lui, il traite bien ça, le sport. T'sais. On le sait qu'il est capable de faire ça. Fait que ça, c'était parfait, mais il savait pas que dans ma tête, c'était vraiment pas là que je m'en allais. Là. Pour moi, c'était pas le sport. C'était l'humain, c'était la vie, c'était la vieillesse, tout ça. C'est ça. Donc, si je reviens à ta première question, ben, c'est-tu un sport, la lutte? Je dois dire que oui, parce que c'est pour moi, un sport, c'est de l'activité physique, donc c'est de la performance physique. Et la lutte, c'est une performance physique qui a comme objectif de divertir. Donc, si on est un bon skieur alpin, l'objectif, c'est d'arriver le plus vite en bas. Bien, si on est un bon lutteur, c'est d'avoir diverti une foule au complet. Puis, mais on le fait physiquement, on le fait aussi avec un mélange de théâtre et tout ça. Bien, ça venait un peu donner le potentiel que je voyais du film. T'sais, on peut mentir dans mon film. J'ai le droit de partir. Mais c'est des mensonges qui viennent de Paul. C'est des exagérations, mais on joue cette carte-là sans jamais traverser la ligne du réel mensonge qui pourrait qui n'a pas sa place. Là. Bon, ça
on pourrait passer des heures à l'expliquer, mais tu sais, il y a l'exagération du passé de Paul et il y a de fausses histoires. Ben, nous, on est plus dans l'exagération du passé puis on embarque là-dedans. Le reste, on reste quand même dans une forme de véracité puis d'authenticité. Là, c'était important pour nous parce que justement, quand je parlais du livre de Paul sur lequel on se basait, ben, si on se mettait, on avait ces limites-là. Là, on n'allait pas commencer à inventer sa vie non plus. Là, puis il y a des passages qui sont délicats, comme la relation avec ses fils que vous avez sûrement vu dans le film, qui était pour moi le tournage le plus marquant peut-être du film et la séquence la plus qui détonne peut-être un peu du film justement, qui pour plusieurs, c'est ce qui reste dans leur tête, cette scène-là. Qu'en avez-vous pensé, vous? moi, j'ai eu l'opportunité de voir le film à l'écran en décembre lorsque j'ai été invité au lancement de presse. Alors, j'étais choyé. Puis je t'avoue que quand j'ai vu le film, je suis sorti de là. Même durant le film, c'est clair que ce passage-là m'a beaucoup marqué avec le fils qui s'appelle André, c'est ça? Oui. Ouais, voilà. Puis j'ai lu que ça t'a pris 3 jours, au moins un minimum de 3 jours de convaincre pour pouvoir faire l'entrevue, ce qui me semble tout à fait logique. On sentait évidemment dans cette scène-là qui est très bien montée, qui est très bien, puis avec la caméra qui est juste à la bonne distance, on sent le lien de confiance qui existe, que tu as réussi à créer. Pour moi, c'est ça qui est percutant. Puis après ça, on sent ensuite vraiment le malaise qui existe, puis la tristesse, puis... l'enfant qui veut encore la présence de son père ou qui regrette ne pas avoir eu son père présent, puis qui n'est même pas au courant que lui-même a eu des enfants. C'est très touchant, ça, c'est clair. Puis je l'ai réécouté pour préparer cet entretien-là encore, le film. Puis un autre moment qui me marque, c'est cette fois-ci qui m'a marqué de manière différente, c'est lorsque le fils de faut me rappeler, le militaire. Ah, son neveu. Son neveu, en effet. Puis là, quand ils vont le rencontrer, étant donné que j'avais déjà vu le film, cette scène-là est venue me marquer d'une manière encore plus intense. Puis, alors, je l'ai vécu différemment. Donc, je connaissais le passage d'André. Ça m'a moins affecté au deuxième visionnement. Mais là, c'était ce passage-là qui est venu me toucher. Puis, ben, je suis quelqu'un de sensible. Puis ça m'a beaucoup marqué, ce passage-là. Alors, c'est le fun de revoir ce film-là. Tu peux te relancer dans différentes émotions, dans différentes séquences. Puis, alors, ce film-là est bien construit à ce niveau-là. Puis, j'aime toujours vraiment comment je le ressens, cette distance-là, où le respect puis l'amour pour l'humain que toi-même tu portes envers tes protagonistes, les gens que tu filmes. Hein? Merci. Oui, ce passage-là est le fun aussi. Puis, tu vois que, tu réalises que c'est tout du monde sensible, tu sais. Ben, c'est tous des humains normaux, tu sais. Dans le fond, son fils qui travaille ses pipelines, tu sais, des vies dures, des lutteurs, des militaires, mais on dirait qu'ils ont tous, se sont tous ouverts, tu sais. On dirait qu'ils ont tous accepté qu'elle allait se livrer pour le film. Puis encore là, tu sais, c'est beaucoup de... C'est du travail, mais c'est aussi de la chance. Tu sais. C'est du timing, c'est ça. C'est pas juste de la réalisation. Là. Ben, je suis d'accord avec toi, mais la question de timing, la question de la chance, on se la crée aussi, puis ça vient avec l'expérience que je pense que tu t'es forgée toi-même, tout le travail, puis toute l'écoute que justement tu portes envers les personnes que tu filmes, avec le souci du détail que tu as. Je pense que justement, tu te crées ta propre chance puis que tu te donnes ces opportunités-là. C'est peut-être, mais je sais que, ben oui. Tu sais, moi, je dis des fois, c'est drôle, plus on travaille fort, plus on est chanceux. Fait que ça a peut-être un peu de ça, là, je sais pas. C'est comme interrelié, là. Ouais. Par rapport aux séquences qu'on a évoquées, juste pour rebondir, et peut-être j'amènerai un autre de tes films, mais donc les deux séquences qu'on a évoquées avec le fils de Viviane Vachon, donc la sœur de Paul, et donc son fils à lui, qui sont des séquences qui parlent de filiation, justement, donc des rapports entre deux générations d'une même famille. Cette question-là de la filiation,
du rapport à l'héritage, du rapport au passé. C'est présent, j'ai donc dans ma foi, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc on te voit dans le film, c'est un film sur la religion, sur la croyance, et on te voit dans le film, donc dans un dispositif qu'on voit souvent en reportage où le réalisateur, réalisatrice donc, se promène et on le voit faire les interviews, et il est question de ton fils, donc Joseph, et justement tu demandes quel héritage lui laisser, est-ce que tu veux ou non le faire baptiser, et je ne sais pas si tu as pensé, est-ce que c'est un thème conscient chez toi, ce thème-là de la filiation, est-ce que ça t'intéresse, parce que c'est quand même présent dans à la fois, donc ma foi est dans les vilains, et pour moi, ça me semble une continuité, mais j'ai vu les derniers vilains d'abord, et j'ai vu ma foi ensuite, mais peut-être t'entends là-dessus. Il y a quelqu'un d'autre qui me dit exactement la même chose, puis c'est Annick Charlebois, la co-scénariste des derniers vilains, elle me dit que j'avais une récurrence avec la famille ou, comme tu le dis un peu, mais c'est vraiment inconscient pour moi. Là. Mais là, ça commence à être plus conscient. Je réalise bien. Mais c'est probablement parce que c'est ce que je connais là, ou c'est dans quoi je suis à l'aise ou je ne sais pas. Moi, consciemment, je pensais que c'était plus la liberté, mon espèce de leitmotiv qu'on dit, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Exactement le bon terme. Bon, tu sais, c'est un peu comme... Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce qui motive mes actions dans la vie de tous les jours, c'est la liberté. Mon père était comme ça, très, très... Tu sais, c'est assez bon et c'est mauvais côté, mais la liberté était très importante chez lui, puis... Mais les choses transparaissent à travers les films, j'imagine. Là, tu sais, je m'en rendais pas compte là, que la famille était si présente. Mais juste maintenant, depuis qu'Annick me l'a dit, je réalise que même mes prochains projets que je pitch, c'est encore un lien avec la famille. Tu sais. Fait que va falloir me sortir de là ou je sais pas. C'est peut-être le genre de choses qu'on est mieux de pas se faire dire parce que comme ça, on n'en prend pas conscience alors que là, c'est. Pense pas à ça. Ben, OK, je vais juste penser à ça. Donc, ben, la famille, je pense que c'est assez universel. C'est peut-être aussi une valeur sûre à quelque part. Puis peut-être que j'ai une béquille que j'ai, je sais pas. Mais les deux thèmes sont liés, donc tu as raison de dire que c'est des films sur la liberté aussi, ma foi, et les derniers vilains, dans la mesure où. Ben, être libre, c'est notamment être libre par rapport à ses antécédents familiaux et justement l'histoire du fils de Viviane Vachon, dont j'oublie le prénom, mais donc le militaire, qui dit explicitement, j'ai choisi de ne pas de devenir lutteur parce que toute ma famille était lutteur, puis il y a vraiment le physique de l'emploi, il aurait tout à fait pu l'être. Finalement, donc devenu militaire et il fait des concours de bras de fer, mais c'est... Donc, je pense que tu as raison de dire que c'est des films sur la liberté, mais qui passent notamment par... la thématique de la famille. Tout le monde, c'est comme ça que qu'on les voit. Juste revenir aussi sur un truc, Joël, tu as dit que tu avais vu le film en salle. Peut-être que j'ai manqué ce bout-là quand ma fille a fait un Mad Dog Vachon d'elle en voulant faire une corde à linge à sa sœur, mais le film était destiné, et là, ça rejoint les étudiantes et les étudiants du cours cinéma et télévision, mais c'était destiné au grand écran ou au petit écran d'emblée? Et ton rapport à la télévision de manière générale, je ne sais pas si tu penses en termes de taille d'écran ou en termes donc peut-être pour vous, l'esthétique? Je le pensais, moi, en termes... Je le faisais pour les salles, là, ce film-là. Rapidement, on a eu ces discussions-là avec la productrice. Elle m'a dit, fais attention, mon expérience me dit que faut pas que tu ailles dans des plans trop serrés si tu t'en vas en salle. Tu sais, essaie de donner de l'espace, essaie d'être moins serré que tu peux l'être normalement en télévision. Elle dit, tu pourrais le regretter rendu sur un grand écran. Tu sais. Fait que ça, j'ai eu cette information-là que j'aurais pas pensé. Je l'ai eu un peu plus tard dans le film, puis j'y ai pensé, tu sais, de faire respirer, d'avoir des plans de paysage plus grands, puis tout ça. Puis, mais le film a été vendu pour la télé en premier, avec une entente comme quoi il allait être en salle, tout ça. Ben moi, je veux pas... Je me disais, ben s'il est bon pour les salles, il est bon pour la télé. Le contraire n'est pas vrai. T'sais, je pense pas qu'un film qui est bon pour la télé est nécessairement bon en salle, parce qu'en salle...
tu as du temps, puis il faut que tu laisses du temps. Donc, la version, on a deux versions de ce film-là. On a une version de 92 minutes et une version de 82 minutes ou quelque chose comme ça. Donc, il y a quand même ça. En tout cas, il me semble qu'il y a 12 minutes de différence entre les deux. Là, j'en donne 10, mais il me semble que c'est 12. Puis j'ai 1h33 pour la version que j'ai à peu près. Donc, je ne sais pas si c'est la longue ou la courte. C'est quoi? Ce serait 1h33, donc 93 minutes. Ouais, ça, c'est la version longue. Okay. Donc, disons que l'autre a 82 minutes, là, peu importe, mais c'est ça, il y a vraiment deux versions. Puis celle en salle ben, donne un peu plus de. Une part de risque un peu plus grande par les scènes que j'ai laissées. Puis celle à la télé, ben, ça va plus direct au point parce que les gens sont là à faire d'autres choses, puis ils peuvent se lever puis s'en aller n'importe quand. Fait que c'est ce qu'on se fait dire, puis c'est ça. Et c'est sûr que l'approche télé, on se doit d'être conscient que les gens ont d'autres choses à faire qu'écouter notre film, tu sais. C'est pas la même chose, puis une série, tu sais, on le voit dans les séries, là, Netflix, tout ça, tu sais, ils ont réussi à créer, ben, quand c'est bien réussi, y a des séries qui sont quand même captivantes et il y a comme des formules qui reviennent qui sont un peu qui sont assez bien cachées là, quand même souvent, mais qui permettent d'être chez vous, mais de quand même rester figé à ton écran. T'sais. Puis ça, ce ne serait pas nécessairement le cas pour un film. Un film n'importe quel, là, Xavier Dolan ou n'importe quoi, si tu l'écoutes chez vous, ça se peut fortement que tu décroches à un moment. Ça ne veut pas dire que le film n'est pas bon, c'est juste que ça prend un contexte de contemplation pour l'apprécier. T'sais. Fait que c'est ça. C'est des approches, c'est deux approches. On t'a bien résumé, puis pour ceux et celles qui suivent le cours, dont Joël était là aussi, donc ça résonne avec ce que Patrice Laliberté, le réalisateur de Jusqu'au déclin, a dit quand on l'avait reçu plus tôt cette session, qui a réalisé donc, le film pour Netflix, et qu'au départ, il y avait un préambule dans son film et que Netflix a dit qu'il fallait l'enlever pour justement pas perdre, vu que c'est donc Netflix, c'est l'équivalent un peu de la télé, là, donc pour pas perdre les spectateurs au début, donc il fallait accrocher et que tout se jouait dans les 8 premières minutes. Donc, c'est réellement une esthétique et une approche qui existe. Et c'est une contrainte qui n'est pas nécessairement bonne ou mauvaise. C'est-à-dire, donc, je pense que tu as bien montré qu'on peut la contourner, ou c'est-à-dire qu'on peut juste en être conscient et que les films peuvent travailler avec ça et que voilà, ce n'est pas nécessairement un blocage pour l'esprit créatif, même s'il n'y a pas énormément de liens entre Jusqu'au déclin et Les derniers vilains, quoique ces deux films qui parlent de l'américanité, donc de l'espace aussi. Et donc, dans ton film, donc les plans de paysage, en effet, donnent une respiration et ça fait partie justement de la beauté du film, de faire un film sur l'Amérique, sur ses paysages et le côté road movie. Donc, il y a une phrase que Paul dit dans le film, qu'il se sent chez lui partout. Et donc, c'est un personnage vraiment formidable, donc qui vit dans sa caravane et qui finalement ne veut pas s'établir et qui a eu des enfants partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il a vécu en Inde pendant un an, il a vécu je ne sais pas où pendant un an. Et donc le film montre bien ce côté globe-trotter et notamment avec le traitement de l'espace qui est très bien rendu. J'ai encore plein de questions, mais Joël, je m'imagine que tu... Parce que je pense qu'on avait dit jusqu'à 17h30 à peu près, donc... Oui, en effet, on avait dit jusqu'à 17h30, mais on est les règles sont faites pour être contournées. On est flexible, tout dépendant de notre invité également, tout dépendant des participants qui sont là aussi. Mais oui, j'ai plein de questions, je pense qu'on pourrait parler longtemps. J'aurais une question, moi, si on dévie un petit peu, légèrement. Moi, j'aimerais ça parler un petit peu d'écriture. Tu as parlé qu'une de tes influences, tu es un grand cinéphile, ça c'est clair. Je ne sais pas exactement c'est quoi tes influences. Quand tu dis tes cinéphiles, c'est quoi, qu'est-ce que tu aimes écouter de un? Mais ça, c'est une affaire. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était l'écriture. Tu as parlé de fiction. Je pense que la fiction t'intéresse. Je l'ai vu, je l'ai lu en entrevue ou je l'ai écouté en entrevue. J'ai pu en entendre parler un petit peu. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui est viable pour toi? C'est-tu quelque chose qui t'intéresse? Que ça serait un de tes prochains projets? J'aurais une histoire à raconter et c'est-tu toi qui vas scénariser? Tu vas co-scénariser? Tu aimes l'approche de co-scénariste? Voilà, tout ça.
pas facile d'écrire la fiction non plus. Mais en fait, pour moi, la fiction m'intéresse, c'est clair, pour différentes raisons. La première serait peut-être d'avoir les... dans une première étape, en tout cas, de tenter d'avoir les rênes de l'histoire, tu sais, parce qu'en documentaire, on va où la vie nous mène quand même, tu sais. On a des intentions, mais ça, tu sais, souvent, avec Paul, c'était plus facile, mais les autres projets, je ne choisissais pas où je m'en allais vraiment, puis je composais avec ça par la suite. C'est ça. Fait, tu sais, je disais au départ que on dirait que, tu sais, moi, c'est vraiment étape par étape, tu sais, puis les choses se présentent. Tu sais, exemple, tu sais, pour moi, je partais du documentaire style Ma foi, qui est assez plus standard là, dans une certaine mesure, où est-ce que c'est des entrevues, tu sais, puis bon, c'est ça. Et j'ai évolué vers Les Derniers Vilains, qui est un film, en fait, qui se rapproche d'une fiction un peu plus. Et là, effectivement, ma prochaine étape serait un court-métrage fiction. Donc, techniquement parlant, là, ce serait là que je serais rendu. Là. Puis non, ce ne serait pas moi qui le scénariserais. Oui, je m'entourerais de plus de gens possibles compétents qui pourraient m'aider à franchir cette étape-là avec succès ou en tout cas sans désastre. Tu sais, dans le fond, c'est pas de la fiction pour faire de la fiction, c'est la continuation pour moi logique de mon métier. Là. C'est, on dirait que c'est de ça que j'ai envie, puis mais j'irai encore là étape par étape. Là. Je suis en discussion avec des gens pour un court-métrage actuellement. Là. Ça se pourrait que ça se fasse pendant l'hiver. Mais je suis très. Chaque étape, tu sais, quand je disais, je ne sais pas si c'est à vous que je disais ça, mais tu sais, pour moi, oui, c'est ça, l'investissement de temps, le peu d'argent qu'on peut faire, tout ça, j'ai la chance de pouvoir compenser ailleurs dans de la pub que je ne promouvois pas, tu sais, mais je fais de la pub, tu sais, j'en fais de la pub, puis de la pub bien ordinaire, là, tu sais, de cabinet de dentiste de Québec, là, tu sais, puis d'agence de voyage, puis c'est bien correct, tu sais, ça me permet de mettre le temps nécessaire sur ce qui est ma vraie passion. Puis en même temps, bien, à chaque fois, ça me donne une expérience, tu sais, de direction d'acteur, etc., etc. Puis bien, ça me donne un peu d'argent. Fait que mon prochain film, bien, probablement que je vais prendre mon cachet de réalisateur puis je vais l'investir dans le film, tu sais, parce que je ne veux pas que mon entrée en fiction soit... à moitié, tu sais, je veux que ça soit à son plein potentiel avec le budget qu'on a. Je sais qu'on n'aura pas un budget de 400 000 pour le film, que j'aimerais qu'il y ait un budget de cette ampleur-là, mais si on a un budget de 50, ben ça se peut que le 10 qu'il pensait me donner, ben moi non, je ne vais pas le prendre, tu sais, je vais dire non, on va le prendre, mais on va le mettre sur des effets spéciaux ou sur des ci ou sur des ça, tu sais, fait que la musique. Comme là, en ce moment, je réinvestis dans Les Derniers Vilains en ce moment parce qu'on n'avait plus d'argent en production pour l'inscrire dans un festival. Mais nous autres, la COVID, ça a un peu tué là, la vie du film en festival. Fait que moi, je veux prendre ce qui reste. Un film de 2019, là, c'est la vie en festival, les jours sont comptés quasiment. Là. Fait que c'est pas une question d'argent. Moi, je veux qu'il circule. T'sais. Fait que là, je suis en train de personnellement remettre de l'argent pour s'inscrire dans les festivals. T'sais. Je m'éloigne de ta question. Oui, mais non, mais c'était très intéressant. Puis, en effet, là, j'ai vu qu'il était dans un festival la semaine dernière, je pense. Alors, justement, j'étais content de voir qu'il continuait à circuler. Mais... Ah oui, ça continue. Ouais. Thomas, tu avais une question de ton côté? Ah, j'ai que ça, des questions. Mais écoute, tous les personnages dans le film... sont intéressants. Paul est un personnage extrêmement coloré avec lequel tu as d'emblée vu qu'il y avait quelque chose à faire. Mais il y a quand même un risque. Donc ma question, c'est est-ce que vous avez été conscient de ce risque-là, entre guillemets? Est-ce que ça a été verbalisé durant le tournage ou la production ou la post-prod du film? Mais que c'est tellement un personnage coloré
qu'on pourrait presque trop en faire une caricature. Je donne un exemple qui n'est pas exactement bon, mais c'était quoi la série Netflix qui est sortie au début du confinement, qui avait fait un gros, gros hit, dont Tiger King, là? Donc, qui était... c'est-à-dire, c'est tellement un personnage farfelu, dans le bon sens du terme, mais qui a réellement une humanité et tout ça, mais est-ce qu'il a fallu le censurer? Est-ce qu'il a fallu essayer de faire ressortir des côtés? Parce que c'est quand même... Voilà, donc, et de manière générale, la question de l'empathie dans le documentaire, c'est-à-dire c'est un peu ça finalement, c'est donc le but d'un documentaire, c'est traduire une expérience de vie dans ce cas-ci qui est extrêmement mouvementée, qui est extrêmement colorée, c'est pas un personnage parfait, loin de là. Le film, et donc tu dis qu'il des fois il racontait des histoires où il avait tendance peut-être à délirer un peu, et est-ce qu'il y avait cette idée-là qu'il y a une tentation peut-être de faire un film qui aurait été différent et montrer toute son excentricité peut-être encore plus, ou ce que vous avez montré est réellement un échantillon de ce qu'il est et donc la manière dont il se présente? C'est vraiment un échantillon de ce qu'il est, ce qu'il est. Tu sais, Paul était, à mon avis, assez intéressant sans avoir à lui faire faire des tours de cirque. C'est un homme qui est articulé, qui nous prend par le, tu sais, qui nous prend par la main, qui nous amène, qui nous invite chez lui, tu sais, puis c'est très chaleureux. Puis pour moi, c'était tu sais, en fait, je dis toujours que c'est un film sur un homme, sur la vieillesse, sur l'amour, sur la vie, avec un décor de lutte. Tu sais, la lutte est tellement colorée que je me disais, ben, on a peut-être le potentiel avec ce film-là d'aller rejoindre un immense public, okay? C'est-à-dire tous ceux qui ont pu triper sur la lutte et qui vont penser que c'est un film de lutte, tu sais, qui vont tomber dans mon piège. Qui vont dire, OK, ça va être ça, mais en fait, c'était pas un piège, mais c'était une tentative de concilier le grand public qui pouvait être celui de la lutte et celui qui aime peut-être plus les films d'auteur ou où il y a un peu plus de lenteur ou des trucs comme ça. Fait que pour moi, je me disais, j'ai une ligne je marche sur une fine ligne entre les deux. Puis mon désir de faire un film d'auteur, ben c'est peut-être pas à 100% dans ce film-là que je vais le faire parce que je me dois quand même de respecter le monde dans lequel on est, qui est celui de la lutte, qui est un monde de divertissement. Donc, quand je disais au début, tantôt, je disais fallait qu'il y ait un rythme, fallait que je prenne le contrôle, bien, c'était aussi pour ça. C'était pour que le public ne se sente pas en attente dans le film, tu sais, qu'on soit capable de divertir à travers tout ça, tu sais. Puis c'était bien important parce que le sujet est trop grand, est trop populaire pour ignorer ça. Fait que c'était vraiment d'emblée, là, avant même que je tourne là, même la première entrevue, j'avais ça en tête. C'est peut-être l'objectif ultime serait peut-être de pouvoir concilier ces deux aspects-là. Et le film a une réception dans les communautés du monde de la lutte? Ou oui. Justement parce que c'est. Et donc, comment ça a circulé? Ben, Pat Laprade, qui est la référence lutte au Québec. En ce moment, là, qui est un peu le qui va animer les galas et tout ça, là, tu sais, bon, tu sais, puis lui, il nous a d'abord aidé à travers la conception du film et il a vérifié des faits qui étaient importants à vérifier, là, tu sais, des choses qu'il fallait, tu sais, on est dans la fantaisie, mais on est aussi dans des choses qui sont importantes à savoir, là, les dates et tout ça. Ensuite, lui est vraiment tombé en amour avec le film, là, en toute humilité, là, je le dis parce qu'il dit, il redit, il continue à le dire. Donc, ça nous a vraiment, il a vraiment poussé le film dans le milieu de la lutte, là, tous les sites de lutte vintage comme la lutte actuelle, tout ça, ça a beaucoup, beaucoup circulé. Donc, mais le problème, c'est que ces gens-là veulent des DVD. Et là, on ne peut pas sortir de DVD. Fait que c'est ça, on est un peu. Ça va venir, là, on va être capable de leur montrer à tous, mais là, il y en a beaucoup qui sont déplacés en salle, puis on a eu des super commentaires d'anciens fans de lutte ou de fans de lutte. Et toi, tu n'es pas fan de lutte? Non. Donc, ce qui m'intéressait, c'est le côté humain, c'est le spectacle et peut-être l'espèce, et comme tu as dit, la justification que
tu viens du milieu du sport, tu as fait des films sur le sport, donc il y avait une transition facile, tout en étant un bluff, entre guillemets. Mais c'est une opportunité que c'est offert à moi, puis j'aurais pu laisser passer parce que j'étais vraiment rendu à faire autre chose que du sport à ce moment-là. Là, tu sais, là ça revient tranquillement, là, mais à ce moment-là, j'étais... fait que non, c'est ça. Ben, ça fait une belle transition avec tes premiers films sur le sport. Ce film-ci qui est un documentaire qui tire vers la fiction et, comme tu souhaites, tes prochains pas dans le monde de la production qui serait donc carrément du côté de la fiction. Joël, est-ce que côté temps, je pense qu'on pourrait continuer longuement tout le monde, mais je pense que c'est le temps de se quitter. Thomas, on te remercie énormément pour cet entretien qui était vraiment riche en informations, hyper stimulant. Ça nous donne le goût de réécouter certainement le film. On te souhaite certainement longue vie au film d'un festival. On espère qu'il va être diffusé Télé-Québec. Tu nous as dit qu'il y avait encore des passages à venir. On compte sur l'Observatoire pour le relayer sur les réseaux sociaux de notre côté. Ça, c'est certain. On te souhaite bonne chance aussi dans tes productions à venir, autant fiction que côté documentaire. On sait jamais, peut-être une série télé juste pour toi aussi. Peut-être c'est ça que qui t'inspire, qui te tente. Je suis ouvert, je suis très, très ouvert en ce moment. Puis je vous remercie pour ce temps, ce beau moment-là. Puis merci aux étudiants. Bonne chance pour la suite de vos cours. Et voilà, donc ça m'a. Donc c'est bien donc, de l'empathie aussi. Donc l'empathie du documentariste pour les étudiantes et les étudiants en fin de session. Oui. Et toute histoire a une fin. Donc merci Thomas d'avoir pris le temps de nous parler. Mm-hmm.